Souvent, la vie nous hante et nous soumet aux épreuves, quand elle nous plaque au bas de l'échelle, où l'angoisse triomphe sur nos espoirs. On vient toujours de quelque part, ce qui t'impressionne ou une histoire. Ton voisin, c'est un exemple, il avance, il t'a prouvé que quand on veut, on peut viser, que quand on cherche, on peut trouver. Après l'échec, prends-toi en main et redessine ton avenir. Le demi. Les demi du lac Victoria. Les demi, c'est combien? Je réponds en démoulant de la patience. Et j'ai fui mon pays suite à l'insécurité. Et comme dit les droits, l'enfant a droit à l'éducation. Nous sommes vraiment à la carence des matériels didactiques. Quand j'avais appris que Mandela était mort, j'avais appris ça après 4 jours. Je me trouve comme si je suis abandonnée, peut-être même dans une sorte de tombe, mais je ne suis pas ensevelie. C'est vrai. Je réponds au nom de Kanyuri Masawa Consolata. Je suis réfugiée politique. Je suis séparée de tout. On n'a pas accès à l'information, à la formation. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a même pas d'informatique. Mon nom est Dempsey Munga Mululi. Je fuis les atrocités des groupes rebelles qui se faisaient au Congo. J'aime lire, j'aime aussi écrire. Je suis artiste slammer, je suis chroniqueur également. Nos journées, nous les passons souvent à la maison où on déambule juste dans l'entourage du camp sans rien faire. On a changé de vie juste dans quelques minutes. On avait des occupations au Congo qu'on a appelées ici. On est isolé du monde. Ce qui nous manque de plus, c'est surtout la culture. Quand on n'a plus rien, la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est le rêve. C'est pour ça que Bibliothèques sans frontières m'a tellement touché, car c'est juste, c'est très juste, car c'est la première et la dernière chose à donner à des gens qui ont tout perdu. Il faut que tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent, qui tombent du ciel et qui ont des valises de toutes les couleurs et qui montent une tente. Et à l'intérieur de chaque valise, il y a de la merveille. Nos enfants vont devenir des savants avec ça. On va les comparer avec les enfants de là chez vous. Demain ou après-demain, notre pays peut avoir la paix. Ces enfants seront utiles à la société congolaise. La paix m'aide vraiment, c'est ça doit. Parce que je travaille énormément et j'y tiens. Je donne les meilleurs de moi-même si juste les conditions sont réunies.